Donc là, on est sur le montage de la grille de la brosse à blé. Donc la première étape, ça a été d'enfiler cette grille qui est plate. Pour ça, on s'est aidé d'une sangle à cliquet pour déjà la prérouler. Donc en fait, on s'est rendu compte que c'est mieux la grille quand même si elle est déjà prérouée avec une rouleuse ou quoi. Mieux elle est roulée, plus c'est simple quoi. Ensuite, avec la sangle à cliquet, on la maintient en place. On arrive à faire passer les cerceaux dedans. Le jeu, c'est que les deux parties de la grille arrivent à se rejoindre, qui ne se chevauchent plus. Quoi. Une fois qu'on a réussi à faire ça, donc soit à l'aide de serre-joint, de pincetteau, en venant pincer petit à petit les bords de la grille pour que ça plate bien. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on met en place les arceaux. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une cote entre les deux arceaux là, qui fassent 481 pour qu'on se retrouve ensuite avec la bonne dimension de la brosse à blé. Et donc là, bah, l'idée c'est qu'on verrouille petit à petit, on part d'un bord qui est bien droit par rapport à notre fer plat. Et là ensuite, je viens mettre les vis. Petit à petit, je verrouille et je viens prendre avec des pincettos pour être sur sa plaque. Ensuite, je verrouille. Là, j'ai remis des pincettos pour être sur sa plaque. À l'aide d'un chasse-goupille, je me place dans le trou le plus adéquat et je fais un peu de place pour le vis.